La Bible dit, le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Mais pour bien dire, pour ne pas dire dans tous les cas, dans la majorité des cas, eh bien, la mort va venir immédiatement après le péché. Toujours un élément qui va passer par lui-même, qui sait ça, eh bien, la maladie. Donc, si je positionne la maladie, je me situe entre la mort et le péché. En commutativité, je suis capable de dire que je suis capable de situer tout entre le péché et la mort. Mais attendez bien. Donc, les péchés engendrent la maladie et la maladie engendre la mort. Mais pour bien dire, donc, la croissance n'est capable de la maladie sur terre n'est pas proportionnelle simplement par rapport à la croissance du péché sur terre, mais elle dépend aussi du mode de fonctionnement de l'homme sur terre par rapport à la façon n'est capable de que nous-mêmes nous gérer l'environnement, nous, par rapport à la façon nous gérer le milieu ambiant, par rapport à la façon nous gérer n'est capable de zone qui nous installer. Parler de l'environnement, parler du milieu ambiant, mais c'est parler de l'assainissement. Donc voilà pourquoi dans l'hybride assainissement ça aujourd'hui, hein, d'armes et parler non sur mais le cheminement qui engendre mais qui infecte mais qui contamine comme ce qu'on appelle l'homme sur terre ou encore les différentes maladies qui liées à ce qu'on appelle à l'assainissement. Parce que dans un endroit, dans une agglomération, dans une zone côté que qui pas assaini, et même monde qui habite là dans lieu, yo exposé à différents types de maladies. Donc voilà pourquoi je dis là, on a pour ensemble avec vous et bien de cause le cheminement de la contamination de l'homme et les différentes maladies qui liées à l'assainissement. On a c'est parti générique. OK. Donc moi salue tout le monde, OK, qui est capable de qui bam des commentaires et tout le monde qui a supporté plateforme ça. Donc en passant ma plateforme là, les pas les chita sur deux piliers. Donc premier pilier, on est capable de et mais c'est un pilier de cadre scientifique éducation et deuxième pilier c'est capable de c'est partager ça relève de capable de la vie des autres, connaître mieux les autres. OK, donc on fait ça là avec moi-même et il y a l'autre monde encore qui m'a invité qui vient pour partager ensemble avec eux. Donc c'est juste un manque de disponibilité qui fait beaucoup arriver sur l'eau. Mais moi bon, c'est que n'a connaît en plus le monde dans la société que nous entendons parler de eux que nous pas connaissons vraiment même parce que dans la prochaine vidéo que je vais faire ou après yo. Donc je salue donc spécialement India Azor donc son gros bout de coach c'est le cap coach de moi donc ils sont coach qui est en background donc et ça fait que toujours vous big up pour lui donc l'autre monde ne va pas faire jalousie donc je salue tout le monde en général mais mon cap coach non donc faut respecter ça. OK, j'aime ça dit, nous t'es capable de dans intro vidéo là. Donc mais je dis à dans rubrique assainissement ça qui c'est assainissement liquide, d'armes partager ensemble avec nous le cheminement t'es capable de la contamination de l'homme sur terre et encore les différentes maladies qui liées ensemble avec ça relié assainissement. Mais attendez bien, n'a pas de cheminement de la contamination de l'homme sur terre. Il y a une question que m'ta me poser question ça, est-ce que l'homme lui fait tout contaminer? Est-ce que l'homme lui fait tout infecter? M'a dit non, parce que la Bible dit tout ça que l'homme, tout ça que Dieu, alors pardon, créé, eh bien, lui trouver le bon et même très très bon. Ça veut dire que l'homme est né bon. Est-ce que là? Donc voilà pourquoi l'homme lui parfait, eh bien, contaminé. Non, l'homme lui fait, eh bien, tout bon, avec bonté. Est-ce que là? Mais qu'est-ce qui fait l'homme contaminé? J'aime te dire dans l'intro, c'est par rapport avec gestion de l'environnement, c'est par rapport avec gestion du milieu ambiant, c'est par rapport avec gestion de capables de ça relier, de capables de zone que nous-mêmes nous positionner, nous installer sur terre là. OK. On a très rapide pour ne pas faire vidéo à trop longue. Donc on a dit que un premier élément de contamination de l'homme, donc le point de départ de la contamination de l'homme, c'est ça relé, mais contact direct qui existait entre les capables la main de l'homme avec sa bouche. L'homme dit main de l'homme, non, c'est pas main qui a l'état propre, mais c'est un main qui est sale. Immédiatement que main sale, eh bien on prend on met dans la bouche, eh bien
Donc, au risque pour contaminer ou pour au risque pour infecter, parce que mais qui ça là, qui ça lié, c'est un agent de contamination. OK, c'est un agent de ça ce qu'on appelle de infection. Voilà pourquoi dans ça relé me cas du COVID-19 là, et bien après il y a une première mise en garde que ba nous, il y a besoin que pas manger bouche, pas manger nez, pas manger yeux, pas manger tourner me cas du pas manger oreilles. Pour ça dit manger, c'est parce que reconnaître que c'est mais qui est élément essentiel, comme qui est un grand agent de ce qu'on appelle de la pollution. Donc, mais il faut qu'on lave. Nous sommes chez l'MT Pibiti, donc dans l'hygiène, nous sommes capables de nous, nous sommes même qui nous sommes ensemble avec lui. Donc, il était toujours comme ça, comme principe. Il dit qu'on fait, à chaque fois qu'on parle, nous sommes fait besoin, nous sommes capables de toujours prendre l'eau avant. OK, allez dans bouquet là, prend de l'eau et puis met de l'eau dans un récipient et puis lorsque fait besoin là, et bien capable de l'eau ça et pas laisser ça pour le fouer mon dans godé, pour le fouer mon dans bouquet là pour aller prendre de l'eau ça. Donc parce que lorsque tu n'as pas capable de et bien dans espace vous autres fait capable de besoin, et bien il y a des pathogènes ou d'accord, gagner ça des bactéries qui capable coller dans nous et puis qui va transférer dans bouquet de l'eau et toujours prendre les soins pour dire un. Donc à chaque fois que je fais besoin pour un gourmet là, et puis il dit à chaque fois que je vais manger, avant de manger, avant de mettre sur la table, et bien il dit que laver même. OK? Donc là, bah, ça nous perdu. Donc ça dit, donc c'est une question de mais qui c'est un agent de pollution. Attendez bien, bon jour ça en passant, tout le monde qui a côté là, surtout médecin yo, et pas simplement un médecin qui c'est un agent de sanitaire. OK? Moi-même en tant qu'ingénieur, moi c'est un agent sanitaire. Pour qui ça? Parce que si moi tant qu'ingénieur, yo dit me vienne faire travail, vienne prendre l'eau van dans de faire avec nous dans vidéo passé là, c'est de l'eau sorti dans WC, c'est de l'eau toilette là pour me dire drainer dans la rue, on va faire parce que dans conscience professionnelle ou d'accord ou bien dans éthique professionnelle, on va dire on mettre dans l'autre monde faire, moi même pas faire parce que me connaît. Donc un ingénieur là assurer ça avec la sécurité et bien de la population, soit sur les plans de garde sanitaire et en même temps sur d'autres plans encore. Est-ce que là, donc voilà pourquoi moi c'est un agent de santé. Donc ça c'est le premier élément de contamination de l'homme, c'est sa main sale. Deuxièmement, donc c'est les aliments, c'est la consommation des aliments sales, des aliments sales. Attendez bien, imaginez on mange un fruit, OK, un fruit qui sale, un mango qui sale, on a dit un pomme qui sale, on est capable de ça, mais immédiatement on va consommer aliment sale, mais on va rentrer dans avant tout, et bien là on risque pour ça pour contaminer. D'accord, voilà pourquoi il faut toujours prendre les soins pour laver fruits, pour laver aliments que vous consommez, aliments que vous mangez, vous nourrir. Donc parce que vous avez plus de vent, vous avez bon embouché, c'est vrai, mais plus de vent, vous avez produit contamination, vous avez produit maladie. Il faut toujours prendre les soins pour laver. Surtout, vous avez que les produits, les légumes. Donc ça, vous avez toujours des bactéries là-dedans, des pathogènes là-dedans. Voilà pourquoi il faut toujours prendre les soins pour laver, vous souquez et puis tout, mettez de l'eau tiède là-dedans de façon à ce que pour détruire les microbes qui là-dedans, parce que yo même yo gagne des microbes qui toujours là-dedans yo. Donc là dit un premier élément c'est mer qui sale, qui c'est un élément de contamination, de pollution de l'homme. Deuxième élément c'est l'homme capable de contaminer ou capable infecter à partir de ça la consommer, ça veut dire aliment qu'il a consommé. Donc ça c'est de l'assainissement. Donc grand peu monde qui va contre assainissement de dans niveau ça. Et troisième élément qui contamine ou bien troisième point dans cheminement qui contamine l'homme, c'est ça la consommation de l'eau et même de radio et même contaminée, la consommation de l'eau contaminée. Ah, c'est un plus gros point, c'est un point qui a frappé le monde entier, pas même par le bois Haïti. Donc on dirait mazou et même qui c'est la consommation de l'eau contaminée. Donc a dit immédiatement qu'on prend de l'eau, on consomme le contaminé, bah café sur mon frère ou bien ma soeur ou bien mon capteur de nan eau contaminée eau aussi. Attendez bien, il y a une question posée là, la contamination de l'eau on dirait mazou contaminée. Est-ce que sur le plan naturel, pas oublier en passant, laissez-moi vous dire que l'eau c'est pas planté ou planté ça. Ça veut dire que pas grand pied bois, pas grand pied de l'eau. Donc l'eau ou trouver dans qui ça dans la mer, ça veut dire dans la mer ou trouver dans lac, ou trouver dans rivière, ou trouver dans source, ou trouver dans des zones dans ça relé nappe phréatique. OK, voilà les origines des eaux naturelles. Ça veut dire pas planté ben ça. OK, est-ce que bon Dieu te fait de l'eau tout contaminée? Est-ce que l'eau te fait une cas sur le plan naturel, donc il tout infecté? Ah, bon, je bien. Ça sont belles questions, ingénieur, que vous posez là, sur question de contamination de l'eau.
Tendez bien, l'eau naturelle là, donc on est capable de les sortir, on est capable de en battre. On t'a dit par exemple, il y a de l'eau source, ok? Donc, pas oublier pour une source, pour une salle d'abord, il y a une nappe phréatique, mais c'est une nappe phréatique là qui peut alimenter, source là qui peut baisser la salle, mais pour de l'eau à jaillir, pour baisser la présence, mais on est capable de source. Mais de l'eau, ça, c'est de l'eau naturelle. Donc, les eaux naturelles, qui ça a gagné? Les eaux naturelles, il y a gagné ça, il y a des sels minéraux, il y a gagné ça, il y a capable de des éléments en suspension, dépendamment avec ça, on est capable de formation géologique, on est capable de endroit ou bien zone que l'eau ça sorti. Donc ça dit il doit avoir des sels minéraux. Attendez, sels minéraux yo bon pour la croissance de l'organisme, yo bon pour ça qu'on appelle la solidification des os, yo bon pour la solidification des dents, mais pas oublier que yo pas supposé en excès. Donc OMS qui c'est Organisation Mondiale de la Santé, li ba yon quantité, mais yon litre d'eau ta supposé gen quantité fer, quantité potassium, quantité sodium, quantité calcium. Attendez bien en passant, parce que connaissances sont tellement en pile, m'oblige à signer un sujet. En passant, de l'eau qu'on a consommé, donc majorité de l'eau qu'on a consommé en Haïti, yo pas minéralisé, yo traité mais yo pas minéralisé. Tendez bien, yo traité yo pas potable. Tendez bien, parce qu'on différence entre yon de l'eau qui traité qui pas potable. Yon de l'eau traité sont de l'eau pour lesquelles bactéries ont détruit, pour lesquelles pas des salines, des gaz, mais la présence des bactéries. Oui, ça c'est traité. Mais tendez bien, yon de l'eau qui est potable, c'est yon de l'eau qui gagne ça la présence des sels minéraux en quantité suffisante pour la croissance de l'organisme. Elle est sous-traitée de l'eau, pas gagner la donne de capable, eh bien, ça y est, eh bien, des sels minéraux, il y a des potassium, il y a des sodium, il y a des calcium, il y a des éléments ça y est, et bien, quand ça passe, de l'eau ça n'est pas potable. Et en même temps, tout, de l'eau ça n'est pas minéralisé. Lorsque vous consommez de l'eau qui n'est pas minéralisée, eh bien, quand ça passe, il y a simplement plein vent, mais pas fait rien pour vous. Ça fait que, mon cas, si vous avez de l'eau bouillie, donc l'eau bouillie de l'eau, vous traitez le ciel, parce que vous avez des tubes, même pas oublié, vous n'avez pas minéralisé, vous détruisez tous les minéraux qui sont dans de l'eau ça. De l'eau ça, qui est capable de faire pour vous? Simplement, capable de faire gros, il va passer sur la flemme, mais il n'est pas entré dans sa croissance organique, il n'est pas solidifié, il n'est pas solidifié dans. Donc ça veut dire qu'il faut toujours minéraliser de l'eau. Donc l'eau que vous consommez, c'est de l'eau qui est minéralisée. Tendez bien, l'aide de l'eau, ça me décapable de l'eau minéralisée, eh bien, il est bon pour l'organisme. Mais de l'eau, ça, comment on peut faire contaminer? Entre par exemple, agglomération, on parle d'agglomération, on parle de zones qui gagnent ça à les maisons, des zones qui gagnent ça à les bâtis, ok, tout endroit qui gagne bâti, qui gagne maison, l'agglomération, ok, on prend une zone même province nous, donc après agglomération est toujours en l'air, c'est-à-dire il est situé dans une élévation qui est supérieure par rapport à socio toujours en bas. Ainsi, il y a une dénivellation, il y a une différence de niveau entre agglomération et sous là. Donc, après que le monde fait la drine, il fait toilette, il fait force sceptique, force perdule, qui va le faire, il fait en l'air. Mais là, le toilette, il est capable de dire, le monde prend sous là, il est capable de dire, mais qui est au fond, et puis mon toilette, comment ça se passe? Les gens là, comment ça se passe? Ça gagne ça relie infiltration de l'eau qui sort en l'air dans toilette là les infiltration tomber dans qui ça dans sous là les vin bail ça les vin bail ça relie contamination mais les vin contaminer pour qui ça connaît parce que gagne un bactérie les pas un virus non un bactérie donc il y a une différence entre bactérie et virus. Le bail des virus ils sont bagage qui doivent pas détruire, OK, donc ils sont encore qui pas détruire ou ça pas faire traitement pour lui mais détruire éliminer net c'est impossible mais pendant ce temps bactérie est capable détruire net. Donc, quand une bactérie qui est située dans la matière fécale, il y a Escherichia coli, ou bien E. coli. Donc, Escherichia coli est située dans l'urine, dans la pipi. Ça fait un peu de temps que pipi, vous avez grippé, donc, ça me fait mal pour vous. Donc, quand vous croisez avec ça, Escherichia coli, il va y avoir ça, les diarrhées, et diarrhées, vomissement, mais ce sont des tout ou contaminés. Donc, en fait, un peu de monde qui fait maladie typhoïde, c'est par rapport à la consommation de l'eau qui est contaminée. Ok? Donc dans l'eau ça qui peut le filtrer dans sous là et mais qui gagne qui c'est toilette là et mais gagne ça Escherichia coli par le bas ça relie et mais un virus qui relie on signe qu'il est ça relie diarrhée. Donc ça veut dire ou contaminé, ok, les situé dans matière fécale l'homme, dans matière fécale animal. On a dit que c'est pas l'homme qui contaminé même sur ça, elle dit c'est même l'homme encore qui contaminé pour bleu encore, ou d'accord ça. Deuxièmement, on dit habitant qui était en province, ok, n'est capable de les gens jardin li en l'air li mari bet la pi wo et puis sous la en bas bet la toilette donc la pi tomber ça relim de gazou et mais ruissellement l'eau sorti avec en dénivellation
yon dénivellation la descend pour tomber dans sous là et mais ça qui passé l'eau ça et mais il vient contaminer malgré sous là il c'est il procéder ça lui auto de purification ça veut dire auto de purification sous là qui capacité pour traiter tête lui mais qu'on y a là c'est extérieur qui pour le contaminer sous ça voilà pourquoi on obligé faire ça aller une boîte de captage ou encore faire ça aller un paramètre de sécurité pour toute sous qu'on gagne un paramètre de sécurité pour que on est capable de dire bien on mettre un lui pour que bête pas capable dedans et en surtout on séparer espace on met un bout mais un captage pour que on est capable de les gloire glisser les pas tomber dans sous ça directement parce que ça aller une boîte de captage. Deuxièmement, en Haïti tout des fois nous pas dîner pas consommer ou pas traiter de l'eau rivière mais habitant au bord de l'eau rivière dîner pas traiter de l'eau l'homme de capable de lac mais habitant de l'eau fleuve mais habitant au bord tout. Donc soit la province après habitant les boire ni de l'eau source là pour les boire ni de l'eau rivière les boire ni de l'eau fleuve là parce que dans la province m'a regardé dans en dehors net éloigné après mon là la passer avec bête il va changer quand ça passer il fin passer dans l'eau qui c'est rivière qui va couler et bien quand ça passer bête la passer dans rivière et puis tout l'eau est soit l'eau il met bête là en côté le mari il veut tourner encore avec toute pile dans l'eau et puis balle trois tapes et puis got libre. Donc au cas comprendre que et ben là qu'on a passé le caca pendant la passer le caca dans rivière au cas qui passer là l'eau ça vient gagner la présence de Escherichia coli et bien 70 là et mettre de ça les contaminer. Deuxièmement, combien trop sel minéraux n'est capable d'eau bien de cas dépendamment de la formation géologique zone là combien ça les trop sel minéraux n'est capable d'eau et bien non ça a les gloire par exemple une zone en Haïti m'a pas non parce que zone ça n'est capable d'eau mon capteur de la belle on peut plus fort mon gain faut dedans pour qu'ils soient connaît gloire tellement gain ça a un potassium en excès il pas faire ça adoucissement adoucissement c'est diminuer taux de potassium là. Elle dit qu'il y a tellement de présence fer qui en excès et qui dépasse. OMS, qui c'est l'Organisation Mondiale de la Santé, il y a une quantité de fer qui peut gagner dans un litre d'eau, une quantité de fer qui peut gagner dans un litre d'eau, une quantité de potassium qui peut gagner dans un litre d'eau, une quantité de calcium qui peut gagner dans un litre d'eau. Mais il y a tellement en excès, eh bien, les gens qui consomment de l'eau, ou bien, ils bossent dans l'eau avec l'eau, eh bien, ils crassent tout dans l'eau, ils crassent tout dans l'eau. Donc, si vous avez 15 ans, vous avez dit que vous avez un faux dent pour ça parce que zone ça, vous avez un donc, vous avez un petit ok, zone sam de gazou, c'est de l'eau qui trop de gazou, et même éléments fer, minéralisation, il y a trop en excès, malgré qu'on a besoin de minéraliser, mais il y a trop en excès. Ça y est là, donc, échec à coller capable de contaminer de l'eau. On peut par exemple de la pluie. Pas oublier la pluie qui va sortir, il sortit en l'air. Mais pas oublier c'est à quel passé pour arriver en l'air. Je dis que ça, c'est de l'eau qui est dans le socio, de l'eau ruissellement, de l'eau qui entre tout, et un changement de température. Il est transformé en gaz, et gaz par le bas, ça a la condensation, et puis condensation par le bas, ça a les nuages, et nuages par le bas, ça a les précipitations. Pas oublier l'atmosphère, il y a 5 couches, il y a ionosphère. Donc, non manière décroissante, mais ça a les ionosphères. Ionosphère, c'est la dernière couche qui s'apparaît, ça a la terre et l'espace, et bien la pluie a passé par la dedans. Deuxièmement, ça a les après ça qui ça le mésosphère qui ça le stratosphère qui ça le troposphère. Troposphère c'est première couche de capable qui s'en fait de manière croissante qui sépare la terre avec de capable l'espace à part l'espace avec ça le atmosphère là. Donc là il y a ça le de capable poussière, il y a ça le des gaz et en Haïti on fait tant qu'on a Haïti on fait tant qu'on a Haïti mais toujours il y a ça le monde qui a boulé caoutchouc on fait passer mais carbone élément ça le aller dans qui ça dans atmosphère là et mais il rete mais là plus tombe on fait passer donc la de la pluie naturellement sont de l'eau qui potable ils sont de l'eau minérale qui mais qui traitée mais les la croisée avec ça la couche atmosphérique là ensemble avec un carbone ça qui est capable de caoutchouc à bail là et puis quoi ça avec ça les poussières ils viennent contaminer donc l'eau ça le consommer le cadou sans qu'on fasse traitement et bien sont passés ou infectés ou contaminés. Ça dit c'est l'eau c'est un pile grand élément de la contamination de l'homme dans pile monde qui vient déjà il y a plein de monde qui a des typhoïdes, il y a plein de monde qui a des choléra, c'est de l'eau contaminée. Donc l'eau, donc mais cheminement, c'est d'abord la main, deuxièmement, c'est ça les gaz aliments, troisièmement, c'est ça les l'eau. Ce sont les différents éléments de la contamination de l'homme sur terre. Aïe, question ça, il faut gérer, il faut gérer maintenant, il faut gérer aliments à manger, il faut gérer de l'eau à consommer. Donc pour terminer, c'est qui maladie de gazou contamination ça au bail. Donc sur les plans de gazou assainissement. Et ça nous dit à l'air, c'est ça relé, eh bien
et chez Jacques Collier. Chez Jacques Collier, qui s'allie, il est dans pisser, au génie, c'est dans pisser, il est dans pisser au génie, il est dans toilette, il est dans excrément, okay? Ni animal, ni l'homme, il y a de l'eau qui vient toilette là-dedans. On peut par exemple, un monde qui vient s'allier en bassin. Un bassin est exposé avec 25 mètres par rapport avec une latrine. Et attendez bien, donc, le monde qui fait ça, l'hydrogéologie, on connaît ça bien, et non seulement il est exposé à 25 mètres par rapport à une latrine, et en même temps, tout, faut la latrine dans ta. En bas et puis des cas zou et même des cas zou alors m'a parlé de morphologie très connue là et puis tout bassin ta en l'air ou là a dit si m'da prend mes yeux là même bassin même la pile qui est en bas et puis bassin là alors que dans majorité construction que moi ouais en Haïti même la pile là même bassin il y a l'infiltration a dit majorité de l'eau qui a pris de l'eau dans bassin c'est de l'eau toile qui a pris. Donc, vous comprenez ça? Donc, on a besoin de ça aller chez chaque collègue. On a besoin de ça aller et même matière fécale dans le sang. Et bien, il va besoin de ça aller diarrhée et bien, selon dia, on contamine. Donc, les sont bactéries, pas un virus, les sont bactéries. Deuxièmement, les sont vibrio choléra. Vibrio choléra, et bien, les sont bactéries, pas un virus. Vous contactez pas en Haïti, ou elle va aller monter mouille. Donc, qui va connaître le bois de sang? Le dépôt dans le fleuve, là, c'est bon maintenant. Vous êtes capable de faire des bactéries, et bien, mais infiltré yo sorti dans kibo ou jeune aussi dans ça aller excrément grand pile bête cap toilette dans fleuve là et puis mon n'a pas de dans fleuve là y a consommer parce que yo pas gain bleu pour boire c'est même bleu fleuve là yo consommer mais là yo consommer même bleu fleuve ça quand ça passer la dengue ça aller vibrio choléra qui c'est non bactéria et puis pour produire ça le diarrhée vomissement donc manifestation et mais son dia libao ça aller choléra choléra il nous va faire une temps sans marre ou aller. Est-ce que là? Donc voici les différentes maladies et de contamination de l'homme et de la sainissement. Ouais. Donc c'était avec vous, ingénieur Jason Godfrey. Donc moi j'étais quoi? La poêle dans l'autre rubrique. Ok.